projet s'est choisi Zero Waste? En fait, notre projet a commencé l'année dernière. Donc, on a implémenté par rapport à plusieurs trucs. On a utilisé plusieurs choses qui sont recyclées à l'école. Donc, on a fait des pins ou on a même fait des plumes qui ont été utilisées pour les papiers journal et tout. Et pour notre plus gros projet cette année-ci, c'est d'avoir utilisé des tissus recyclés du Laguna Textile et aussi de nos classes de fashion. Et on les a pris pour faire des matelas et des couvertures pour les gens, pour les SDF et les gens qui sont autrement, qui n'ont pas assez de revenus mensuels pour payer un en tout cas. On est très fiers quoi, parce qu'on a beaucoup travaillé pour avoir les prix. Donc on est vraiment très fiers parce qu'on a donné beaucoup de dépenses pour pouvoir avoir ces prix-là. Le EcoSchool programme est un programme qui permet aux jeunes de se rendre compte, de comprendre comme si vraiment quels sont les défis du climate change, quels sont les problèmes qu'ils auront à faire face. Et c'est surtout to increase awareness, qu'ils se rendent compte, et par la suite qu'ils sensibilisent d'autres personnes. Ils commencent à parler autour d'eux avec les amis. C'est important de noter qu'il y a quelques années de cela, à l'époque où nous on était à l'école, on nous parlait du climate change, on nous disait que ça pouvait avoir lieu, on ne savait pas quelle forme que ça allait prendre. Mais de nos jours, là, c'est bien clair, on voit les changements, les flash floods, les dry periods, les périodes de sécheresse extrêmement longues. Alors, beaucoup de choses très, très concrètes maintenant, visibles, mais quand même, il faut se préparer pour voir comment réagir dans une situation pareille. Trois quarts des problèmes qui surgissent aujourd'hui par rapport au climate change sont man-made. Avec ce programme-là, vous avez beaucoup plus de jeunes qui sont aware, qui sont conscients, et qui vont transmettre leurs connaissances aux autres, prévenir les problèmes qui sont liés au climate change, parce que très souvent, c'est pas de par les actions, alors prévenir et dire aux jeunes d'agir d'une façon beaucoup plus sustainable, et aussi les préparer aux changements et aux calamités qui vont surgir à cause du climate change.